Bonsoir et bienvenue tout le monde dans le cadre et quatrième présentation de Palais Sport. Nous comptons pour nous capables de rejoindre chaque ami qui est même déjà à bord de la plateforme Fernando Liveo. Je vous dis un peu contre moi, moi-même, c'est vers Mackinson qui pourra être capable de présenter un Palais Sport aujourd'hui et qui est lié ensemble avec Dalens Apmain Bouteau pour nous sous supervision et Stéphane Pierre. Je vous dis, on a bien pour nous capables de venir faire un petit bas de bouche sous la Ligue des Champions et qui d'après le connaît et première journée le mardi ensemble avec mercredi qui s'est passé là. Je vous dis, tout est gagné et Europa League qui t'a joué, plusieurs matchs à jouer. On a bien pour nous venir regarder les matchs clés ou encore équipe peut-être ou habitué ou en Ligue des Champions, mais pas ou yo Anissa en Ligue des Champions, yo dans Europa League, n'a bien pour capable venir parler de ça. Et gagner et classe en Untela, monsieur qui mettait bientôt, monsieur Balgué, pour capable mettre un terme ensemble avec Koryedi et attaquant Niel qui t'a fait plusieurs clubs, notamment le Real Madrid, qui t'a pris le fond de passé et qui t'a pris à inscrire non, si l'idée ne m'a pas fait de défaut, t'es fond de coup de tournant, il a assez. Et le Talbay tire cela dans Schalke 04 et il t'a pris le retourner dans Ajax Amsterdam pour être capable, ouais, comment il était capable d'aller ensemble avec Koryedi, eh bien, est classé dans Untela, monsieur qui est annoncé très très bientôt, il pourra gagner pour capable mettre fin ensemble avec Koryedi en tant que footballeur professionnel. Et puis, dans sa cagare avec toujours information, aujourd'hui à Barcelone, tu as gagné une rencontre qui, bien sûr, est peut-être tout est capable chita sous avenir Ronald Koeman, mais heureusement, rencontre ça, elle est bien passée. Et monsieur qui présentait et quand c'était perte, il a fait et il a pu comment il est capable d'arranger yo et puis capable bien sûr ouais comment il est capable de permettre l'argent commencer rentrer dans Kailan. Donc on a que man c'est toujours bonne chance. Chance c'est rester en équipe là et commencer et préparer lui et pour match là bien pendant week-end et commencer préparer le tout pour deuxième journée Ligue des Champions. Et faut nous dire tout, Ronald Koeman qui est dans une situation difficile par rapport avec des joueurs, peut-être il était capable de compter sur eux, mais qui pour en forme, nous capable de compter Philippe Coutinho et monsieur Kipoko est capable de retrouver un football league et Sergio Kun Agüero qui rejoint l'équipe là tout blessé et jusqu'à maintenant je suis beaucoup capable bon et puis il y a plusieurs joueurs tant que Martin Braithwaite qui t'a commencé montrer libre à le faire autrement ensemble avec l'équipe là mais dommage monsieur qui t'a pris le blessé et gagné tout en souffrance qui très promette monsieur qui t'a pris le blessé et t'a pris le raté saison qui se passe et qui a travaillé dans l'idée pour voir comment il est capable de retrouver l'équipe là et pour capable aller bien sûr, elle travaille ensemble avec FC Barcelone, n'a souci pour être capable d'aller et porter et titre. On a commencé par le commencement, c'est ensemble et titre ça au coup là. Moi-même, c'est vers Mackinson, n'a pas capable de développer. Je vous dis, pareil, Pape Gay, Sony, Eliatus, collaborateur ici. Et d'ailleurs, c'est nous deux qui présentons Anne Palais Sport. Et nous saluer Sony Eliatus, c'est certainement qui en bas live là. Et je vous dis un pape bien sur Sony, mais quant à pour demain, du roi a bien et bel présent dans ce support pour capable venir et présenter dernière édition. Alors, dernière sortie. Et septième, alors 67e édition Ligue des Champions, d'après le connaît, Jean Sakon habitué fait, d'après jouer sous 2 journées. Et mardi, ensemble avec mercredi, eh bien, il y a un pile goal fait, un pile geste technique, il y a un goalkeeper qui prend plusieurs goals, il y a tout pas prend goal, mais tout gagné. Et la UEFA qui est sortie une équipe type pour cada première journée, un pile monde est qualifié de équipe fantasy par rapport avec joueur qui fait partie 11. Et ça,
Donc, ça qui paraît extrêmement important, c'est que l'équipe ou bien Ligue des Champions qui t'apprête à démarrer ensemble avec plusieurs matchs, notamment Choc et Barcelone contre Bayern à Munich. Nous connaissons bien ce qui s'est passé dans le match ça. Et puis, tu as pris le gain Inter de Milan qui t'a croisé et Real à Madrid. Nous connaissons ce qui s'est passé dans le match ça. Tu as pris le gain tout Milan AC qui t'a pas trop connu ensemble avec Liverpool. C'est Liverpool les nains et la Kali qui t'a pris le gain. Raison sous équipe Milan AC en 3-2. Eh bien, on a regardé avant nous battre bouche sous la Ligue des Champions, toujours avant nous traverser dans notre information. Yo. Eh bien, dans la Ligue des Champions, et ça qui passe, c'est que tu as pris le gain, bien sûr. On a parlé là de la Ligue des Champions, eh bien, et Paris Saint-Germain, ensemble avec Neymar. Hier, Neymar, tu as pris le connaît, une piètre prestation, Neymar, et qui tu as pris le connaît. Une piètre prestation. Eh bien, j'aime te dire, un peu le monde est traité de équipe ça, équipe fantasy. Et cette équipe, peut-être par rapport avec un monde et qui fait partie, eh bien, équipe équipe Ligue des Champions, équipe type première journée, hein, équipe paraît anti-gens. N'importe comment, c'est vrai, il y a plusieurs gros noms là-dedans. Si on a regardé, on joue avec Robert Lewandowski et qui fait partie de l'équipe ça. Eh bien, il y a tous des joueurs tant cours. Et si nous avons c'était goalkeeper AC Marc Maignan qui a joué en équipe et AC Milan. Latéral gauche, c'est Brésilien Alexandro qui a joué dans Juventus Turin. Et puis, il joue Sheriff Cristiano qui sont Brésiliens qui associent ensemble avec Otamendi dans la défense. Ça veut dire gagner Benfica Lisbonne qui représentait. Et sous couloir gauche, alors droite, c'est Diao Cancelo. Et puis, en terrain, il y a trois joueurs. C'est Nkunku qui a joué dans la Leipzig. Et puis, gagner et Bellingham qui a joué en équipe Borussia Dortmund. Et puis, Henderson, qui est même a joué dans Liverpool, qui a joué à Ajax, Anthony, qui est bien présent, et certainement son Brésilien. Et puis, devant, il y a Robert Lewandowski, et puis, il y a Sébastien Haller, qui a joué dans Ajax Amsterdam hier, qui a fait une bonne opération, une belle opération, qui a permis, bien sûr, Ajax Amsterdam gagné avec manière. Voilà, madame, monsieur, dans sa gare avec la Ligue des Champions, eh bien, Ligue des Champions qui est capable de mettre des doutes et pour dire qui peut le gagner, mais font-ils passer maintenant aux yeux nous, vous projectez nous sous Chelsea, après Chelsea gagne meilleur ou bien plus bon effectif pour capable remporter Ligue des Champions saison ça. Extrêmement important pour nous fixer j'ai gardé et Chelsea même je tout gagner Bayern Munich qui pas ridicule du tout avec une défense qui plus ou moins est compacte et Zoul ensemble avec Upamecano récemment et composante défense là gagne Hernandez tout qui compte associé en défense ça veut dire un grand pliade de joueurs et qui capable et au moins et permettre l'équipe d'arrêter compact en défense et puis on gagne deux joueurs en terrain qui c'est Léon Goretzka qui est capable de faire box to box là et puis on gagne et Joshua Kimmich et qui a metté plaisir et qui a metté lumière et qui a by feeling ensemble avec et mi terrain mais qui a pas densifié terrain et qui a fait brûler et qui a permettre et gagner une parfaite communication entre défense et attaque et défense et milieu terrain. Là, m'a parlé de Joshua Kimmich. Et donc, Bayern Munich, c'est une équipe pour surveiller, mais si tu as choisi grand favori pour remporter Ligue des Champions, saison ça, les papelotes et que
et équipe et n'a parlé là de Chelsea hein, et Chelsea et qui les mêmes après comment elle est capable avec et poste qui doublé et poste qui triplé Chelsea vraiment la préparé une grosse équipe et d'ailleurs yo connaît yo non championnat tout équipe a venir faire cadeau un championnat si ou bien sûr pas compact ou pas gain effectif eh bien et à n'a moins que 2 journées, il suffit pour capable perdre et titre de Premier League. Là. Nous devons faire tirer ça dans la Ligue des Champions pour nous être capable de traverser, puisque la Ligue des Champions, année ça, il y a un pile projecteur tout qui est sous et Paris Saint-Germain. Hier, dans le match Paris Saint-Germain contre le club Bougelin, Neymar fait 4 dans le match. Alors, Neymar n'a pas tenu, et c'est pourquoi Neymar ça, ou encore et Trident et Dio, alors Trio, Neymar, Messi et Kylian Mbappé, et c'est pourquoi Trio ça, moun ou bien fanatique, nan moudan, après Titan, et yon Trio qui peut-être l'autre des noyaux, ou elle veut faire peur, mais hier, quand club bouge, il était supposé annoncer ça qui pourrait passer et dans championnat avec reste Ligue des Champions. C'est vrai, c'est Ligue des Champions. Niveau équipe dans Ligue des Champions, li levé par rapport avec telle équipe. Mais c'est vrai, c'est Club Rouge. Mais pas oublier, c'est Paris Saint-Germain qui gagne Messi, qui gagne Neymar, qui gagne la Dan et Kylian Mbappé en attaque. Mauvaise chance pour eux, ils ont perdu et Kylian Mbappé. Et ça, c'est dommage, monsieur qui t'a blessé, qui t'a remplacé par Mauro Icardi. On a parlé de et Paris Saint-Germain. Nous pas seulement parler de Paris Saint-Germain qui pourra peut-être craser championnat, mais nous parler de Paris Saint-Germain, grosse attente, qui t'a prêté et qui grosse attente là, hier, Paris Saint-Germain. Pas comblé. Il était supposé et avait dit reste équipe qui a bien pour jouer au contre club rouge. C'était. Mais non pas courir crucifier joueurs ni Messi ni Neymar ni Kylian Mbappé. N'a pas gardé nous mettre accent sur Trident parce que lui c'est trois footballeurs c'est vrai. Messi c'est 30 ans, Neymar bientôt qui pourra gagner 30 l'année, et Kylian Mbappé qui est encore très jeune et qui gagne pile année football dans Jamni, mettez accent sur Trident ça, Trident offensif là, c'est sur lui mettez accent je veux dire. Et pour nous regarder, oui c'est vrai c'est Neymar, il gagne bagarre, il est capable de porter. Donc, dans le soit 4e ou 5e journée dans le pays de la France, ni Messi, ni Neymar, ni Kylian Mbappé, Mounsayo, pas aligné parce que tu es trop fatigué après trêve. Donc, retenez toujours. Peut-être oui, week-end, c'est pral et une deuxième occasion si Kylian Mbappé pas d'accord bon. Et pour Trident ça, une deuxième fois, yo aligné ensemble pour jouer et puis capable de montrer le monde à tête qui te gagne. Il commence à combler, il commence à bailler mon goal, parce que c'est ça, fanatique, lui-même, il a obtenu. L'époque de Preston, il prend le rempli à craquer. Non seulement mon avis, Neymar qui a fait belle dribble, belle passe, Kylian Mbappé qui a fait belle goal, Messi qui peut le faire goal, qui donc c'est pral gagner au Paris Saint-Germain, et si toutes conditions sont réunies, pour Paris Saint-Germain, mener un pile monde derrière, commencer à changer. Et changer projecteur quelques médias pour capable mettre projecteur sur parce que yo gagne un meilleur joueur dans le monde qui c'est Messi d'ailleurs qui gagne 6 ballons d'or on pas arrêter quoi c'est en faveur yo fait Messi même le tout gagne ballon d'or qui contesté ou besoin de ça mais ça qui sur c'est que Lionel Messi était un meilleur joueur monde ça li connaît. N'a toujours parlé de Ligue des Champions, mais fois ça nous pral regarder et goalkeeper et Edouard Mendy se montrer c'est pas de faveur et yo te fait lorsque le tabral fini meilleur goalkeeper sous saison qui se passe. Edouard Mendy était extraordinaire, excellent ensemble avec Chelsea, n'a pas rappelé
Edouard Mendy qui t'a pral rejoindre équipe et Chelsea dans mi-temps saison. Monsieur Vini, monsieur imposé en tant que goalkeeper 7, li imposé, elle montrait toute qualité, les toute sûreté, les li en bacage là, Edouard Mendy montrer à clair, yo pas faire faveur. Est-ce que nous capable oser dire Edouard Mendy c'est meilleur goalkeeper qui gagne dans monde là? Donc s'il finit meilleur goalkeeper pour UEFA, n'a prêté ton trophée de Beslan et encore trophée Liev Yachinan, c'est trophée qui réservé ensemble avec goalkeeper yo. D'ailleurs, c'est la FIFA qui pourra capable décerner et trophée ça. Est-ce que Mendy Edouard pral gen pour capable remporter trophée ça? N'a pas rappelé première édition c'est Alisson Becker qui t'a pral remporter. Est-ce que Edouard Mendy pral capable remporter trophée Liev Yachinan puisque c'est une plus bon goalkeeper qui gagne dans le monde là et c'est fait bien sûr un top 5 li évident Edouard Mendy qui capable faire. Et si n'a dit et Alisson Becker ou encore Edouard Mendy, Bamdi Edouard Mendy, Alisson Becker, Ederson et puis Manuel Neuer qu'on est là pour aller gon gros bataille pour qu'on ait, est-ce que c'est Marc-André ter Stegen qui pral 7e? Est-ce que c'est Yann Oblak qui pral 7e goalkeeper? Ça li rete yon question en bas commentaire. Parmi 5 goalkeeper sa yo, alors parmi 6 goalkeeper sa yo, qui est-ce qui tape vini? Et si na font top 5, moi gagne 6 goalkeeper, ma prend on top 5 mais gagne 6 goalkeeper, qui est-ce ou même qui en bas live là ou t'as choisi? On gagne Edouard Mendy et Alisson Becker, Ederson qui a joué dans Manchester City et puis Manuel Neuer et puis reton seul place vide gagne et Marc-André ter Stegen ensemble avec Yann Oblak. Entre Marc-André ter Stegen et Yann Oblak, qui est ou t'a choisi et pour capable compléter top 5 là? Question li lancé, fait commentaire en bas live là, partager live là et permettre plus moun wè et niveau football qui a parlé jodi an côté là nous a parlé de la Ligue des Champions qui t'a pral connait et première journée mardi ensemble avec mercredi qui saute passé là. Donc Edouard Mendy monsieur qui vraiment c'est un Sénégalais qui a écrit l'histoire et monsieur qui fait 50 matchs ensemble avec Chelsea, monsieur fait 29 et clean sheet. Ça veut dire monsieur fait 29 matchs, il pas prend goal là-dedans yo, t'allez bien. Monsieur joué 50 matchs ensemble avec Chelsea, il fait 29 matchs, il pas prend goal et monsieur fait 21 victoires ensemble avec l'équipe et Chelsea, monsieur fait 107 arrêts décisifs, t'allez bien oui, 107 arrêts décisifs. M'a parlé de un africain et qui relé Edouard Mendy et qui a joué dans Chelsea et qui vraiment et c'est un Sénégalais et qui semble avec nous mais Chelsea qui vraiment gagne chance ensemble avec africain ça aussi c'est n'a pas rappelé nous et belle équipe Chelsea qui a gagné Didier Drogba Kalou pour ne citer que seulement. Donc Chelsea qui gagne et chance ensemble avec africain yo et qui vraiment a joué résultat que l'app cherche. D'ailleurs, Edouard Mendy t'a pas champion la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe. Edouard Mendy t'a pas champion, il t'a pas fini meilleur goalkeeper UEFA saison 2000 ensemble avec 2021. Et ben parmi gardien ça qui plus rapide dans monde là qui atteint bien sûr et screenshot qui plus rapide dans Ligue des Champions et gagner et goalkeeper qui fait et screenshot qui plus rapide ou bien qui fait 10 matchs sans pas prendre goal dans Ligue des Champions gagner Iker Casillas et c'est un goalkeeper qui t'a pral réaliser 29 matchs sans que lui pas prendre goal et bien sûr et quand même et qui t'a pral faire. Et alors, tout à l'heure, tu as parlé avec Mendy, c'est tout. Pour toute compétition confondue, Edouard Mendy, c'est toute compétition
confondu ensemble avec Chelsea, il jouait et 50 matchs, il fait 29 clean sheet ou bien 29 matchs, il pas prendre goal. N'a pas rappelé Iker Casillas, c'est goalkeeper qui jouait plus jeune dans la Ligue des Champions. Alors, il y a un goalkeeper qui jouait plus jeune dans la Ligue des Champions en 2000 et en 2002 et face avec Bayer Leverkusen, monsieur t'après rentrer dans la finale ça. Monsieur, c'est le seul goalkeeper qui était resté sous banc. C'était Iker Casillas. Et depuis lors, monsieur t'a montré qualité. Et c'est un gros goalkeeper qui t'a venu dans le monde là. Elle t'a pas prouvé ce qu'on a regardé. Bien sûr, statistiques ou encore, elle regardé palmarès et Iker Casillas plutôt. Elle regardé palmarès et Iker Casillas. Ou après, c'est un joueur et un goalkeeper qui marquait histoire football mondial là. Même avec Yachine, différence c'est que Iker Casillas est champion du monde, il est champion Coupe d'Europe, Yev pas champion du monde, mais c'est premier ballon d'or qui t'a pas gagné, c'est premier goalkeeper qui t'a pas remporté le ballon d'or, et c'était dernier à tout plus que et pas gagné, pour que j'aime gagner un goalkeeper qui remportait ballon d'or et vin jouer et trouver ça qui est le Yev Yachine, qui donc occupé pendant sa fête ballon d'or et puis Manuel Neuer monsieur t'as réalisé autant de clean sheets ensemble avec Casillas c'est 29 dans sa guerre avec la Ligue des Champions et Ederson gagne Oliver Kahn qui fait 28 clean sheets et puis gagne Ederson qui était sous 27 matchs en Ligue des Champions qui pas prend goal et ou bien qui vraiment dans Ligue des Champions pendant la jouer Ligue des Champions c'est pas pour saison ça bien sûr pendant la jouer Ligue des Champions Valdez t'as réalisé 23 clean sheets et puis gagne et Gianluigi Buffon qui lui-même réalisé 21 clean sheets gagne Peter C c'est 21 clean sheets et puis gagne et Dida Nelson c'est 19 clean sheets et puis Van der Sar Longeling goalkeeper néerlandais qui a joué dans l'équipe Manchester United là qui t'a réalisé 14 et clean sheets qui plus rapide dans l'histoire de Ligue des Champions et puis Edouard Mendy qui lui-même avec un nombre de 13 et clean sheet. Donc, Edouard Mendy, ça, c'est un goalkeeper. Et pour nous et surveiller, et goalkeeper, ça, faut que nous et surveiller. Et bien sûr, Edouard Mendy, qui lui-même montrer toute potentialité qu'il gagne en tant que goalkeeper. Et puis, je vous dis un tour, nous finissons avec la Ligue des Champions. Nous pourrons rapidement rentrer dans l'autre sujet. Gagne la France qui lui-même. Et vraiment, la France qui a perdu plume, la France qui pas fait partie top 10, pardon, qui pas fait partie top 10 équipe ou bien plus bon équipe qui gagnait dans le monde. Là. La France, champion du monde 2018, et qui pas fait partie top 10. La FIFA mettait dehors, jeudi pour moi. Septembre, là. Eh bien, c'est la Belgique qui gagne tête classement ça. La Belgique, c'est deuxième, alors c'est premier, puis bon, encore première, puis bon équipe qui gagne. Le Brésil en deuxième position. La formation anglaise de football, c'est troisième équipe qui gagne. Et puis, alors, la France, disons, qui a perdu plume, dans le sens que la France qui était après Coupe du Monde, là, était premier, et la France était Québec et premier, et alors classement numéro un pendant bon bout de temps, la Belgique d'après détronisée, eh bien, la France qui passait de deuxième, troisième jusqu'à quatrième place, à, disons, la France qui et fait partie top 10, mais qui venait en quatrième pour position l'Italie qui a monté l'Italie en cinquième position l'Argentine du même tour qui a fait un gros effort d'ailleurs c'est récent champion dans sa carrière avec la Copa América qui était tout à fait spéciale via avec COVID-19 là qui a pile problème dans la zone sud-américaine là. Et puis gagné et Portugal qui c'est septième pipi bon pays l'Espagne vini en huitième position Mexique et Mexicain yo 9e et puis Danemark c'est 10e pibo équipe qui
gagné dans sa carrière avec un classement et FIFA qui sorti jeudi. Et puis, gagné l'autre information dans sa carrière avec le FC Barcelone. Eh bien, conseil administration ça et Barcelone qui t'a pensé son possible révocation de Ronald Koeman. Ronald Koeman qui t'apprend tombé fort dans le noir 3 goals à 0 contre Bayern à Munich. Eh bien, conseil administration t'a pour comment tu es capable chita son possible révocation de Ronald Koeman. Je sois loué pour Koeman, rencontre fini et ça que sorti de rencontre ça monsieur dressé un bilan perte Barcelone qui fait alors saison 2020-2021 qui terminé avec une perte de 481 millions d'euros. 481 millions d'euros. Équipe catalane est après et perdu et pour saison 2020-2021. Donc, et M. qui avec qui balancé budget 2021 ensemble avec 2022, là, il n'a pas capable à prouver soit 765 millions d'euros pour prendre la bataille pour être capable de renforcer et pour la saison qui a pas fini là, pour Mercato qui a fini là, monsieur qui prend le travail d'arrache-pied dans ce souci pour être capable de gagner, mettre l'argent sous table pour capable construire une équipe qui est compacte par rapport avec FC Barcelone qui est vacillé dans le doute. Pour est-ce que nous ca compter sur lui, est-ce que nous pas ca compter sur lui, mais pas oublier c'est FC Barcelone qui t'a pas marqué et décennie ça que ce patient là ensemble avec un football champagne il a joué un gros niveau football mais équipe là qui t'a pas perdu une meilleur élément il était gagnant c'est Lionel Messi qui vraiment est déstabilisé qui plan sur tout point sur le plan et financier et qui plan prend gros frappe et qui plan qui vraiment est après le prend pile coup surtout dans votre maillot et bien monsieur te font un genre pour être capable de débarrasser de tout maillot Messi qui gagne dans et boutique FC Barcelone qui donc rencontrant d'avoir fini comme ça monsieur qui a pensé plus ouais comment capable et gagner un budget et qui capable permettre eux-mêmes de faire plusieurs acquisitions de bons joueurs et pour la saison qui a pas fini là on a commande les plus ou moins tranquille non moi pas aller là parce que monsieur gagne mission et pour capable faire oublier 3-0 que nous se prendre dans compte nous et pendant week-end là monsieur prend une obligation pour gagner ensemble avec l'équipe. D'ailleurs, Ron Laporta était très clair, une explication était bail même avant la Ligue des Champions démarrer, monsieur dit équipe li souhaitait gagner. Bon selon li souhaitait gagner, li ouais ses avis ancien le terrain équipe ça, les avis et Cleus Hernandez qui capable permettre équipe ça les même capable venir faire surface. Ce quoi dans projet ça? Projet d'après Ron Laporta qui c'est président de l'équipe là, c'est Xavi qui capable venir et démarrer projet ça, monsieur qui va faire trois faire conférence ensemble avec Ronald Koeman qui bien sûr a vacillé dans le doute bien sûr, mais Xavi qui de l'autre côté a le préparer pour prendre plus poids et tactiquement pour venir fort bien s'il était déjà fort quotidien pour venir plus fort avec le FC Barcelone pas oublier le game Barcelone dans mon des fois demander pour oser des fois demander pour prendre gros risque des fois tout capable payer conséquences très cher mais le gagner Barcelone dans mon on pas une obligation pour capable aller plus vers l'avant c'est pas payer à monter puis pour des arrêter vide mais aller plus vers l'avant gagner titre pardon les gagner et toutes sortes de titres quel que soit championnat participé hein. Donc monsieur qui prend vraiment dans obligation pour capable aller garder avec sa vie qui qualité équipe qui capable à construire bien sûr plus que gagner et comment qui a vacillé dans le doute voilà et c'est quand même
un conseil d'administration qui t'apprend chita parler jodi an et t'apprend ouais comment yo capable gagner yon ne sak gen ouais avec et Ronald Koeman yo ba mis son chance pour capable rebalancer équipe là et puis même conseil ça tout yo parler de dette qui gagne et alors pas dette perte plutôt que c'est là l'argent yo se perdu pendant ces saisons 2020-2021 ça veut dire c'est saison qui se passe là c'est 4000 et alors c'est 481 millions d'euros yo se perdu jodi an t'es gagné la Ligue Europa. Il y a plusieurs matchs qui étaient joués dans ce cas avec la Ligue Europa, mais nous pouvons regarder match qui paraît et mon habitude avec l'équipe Sao Sinabdade, la Zio de Rome, Jodien qui perdu un goal à zéro. Alors, ça, son message, tout la Zio voué. La Zio qui perdu et dans le week-end, là, et Milan AC, alors Milan AC après le gain, la Zio. 2-0. Et je vous dis, dans l'Europa League, il a perdu un goal à 0. Lazio qui m'a dit, et pour le projet là, il est même capable de restart. Real Betis, qui lui-même tapera le gain difficilement, équipe et Celtic, là, et par 4 goals à 3. Fondito, c'est un match qui était riche en rebondissement. Mais ce qui est important, c'est que des équipes en Italie, yo gain plus capable souke koyo et AS Monaco eh ben li bien sûr sont plus capable connaît une victoire et ça que gain avec la ligue de alors la ligue Europa disons eh ben la ligue Europa eh ben qui est vraiment son ligue qui toujours fruit un paquet spectacle un paquet gogol souvent fait dans sa gawe avec la ligue Europa. Le a qui avance, et nous prenons fini pour nous dire gagner et nous sommes gagné à ouais ensemble avec un match qui alors avec Clason Untela et qui lui-même est pour gagner pour capable mettre un terme ensemble avec avec Carrieri et gagne plusieurs joueurs qui t'a annoncé le faire gagne Mario Mandzukic qui t'a mettre un terme saison ça gagne et Dembaba. Ok, bah, ancien joueur de Chelsea, monsieur qui a pris une grave blessure, il y a des gens qui pensaient que Dembaba n'a pas joué au football encore, et bien, bah, qui était retourné jouer au football, et monsieur qui vraiment a annoncé retraite, et Dembaba, qui est très jeune, fois ça, c'est un vétéran, c'est Clason Untela, qui lui-même a annoncé retraite, dans sa carrière avec le football, monsieur qui fait un pile gros club, notamment le Real Madrid et qui t'apprend et passé par et chaque 04 fait Milan AC Ajax Amsterdam monsieur qui fait pas mal de gros clubs avec le Real Madrid monsieur t'es venu c'est dans l'époque Barcelone t'a imposé et l'OL ensemble avec toute équipe qui gagne sur planète là ou encore l'hégémonie du catalan avec catalan qui au même qui vraiment étape et sans pitié Jean Tétien à AS Monaco gagné difficilement équipe Aston Grajan un goal à 0 et c'est extrêmement important. Leicester City fait 2-2 ensemble avec Napoli avec un carton rouge pour Leicester City. Voilà madame monsieur, c'est toute info ça que nous t'ai gain pour jouer aujourd'hui hein. Merci avec à chaque ami qui t'a et partagé et idée ou bien qui t'a pas bien sûr fait classement et top 5 goalkeeper hein à bas live là. Restez connecté et page Fernando Live yo et pour toute reste émission qu'a bien pour capable venir. Non pas me sévère Mackinson Dallens ensemble avec Kenny t'a moi bouto pour nous et staff et Stéphane Pierre t'a fait toute coordination yo. Rendez-vous, on se prend pour demain. Et si Dieu veut, bonjour, bonsoir, et tout le monde, n'a pas croisé demain.